plus que 19 jours, 2 heures, 12 minutes et 56 secondes avant l'élection du nouveau président, et c'est officiel, je déteste les vieux. Les vieux, ils sentent mauvais. Il faut leur laisser la place dans le métro et après ils laissent une trace sur leur place. Ils disent Facebook, ils demandent des services, ils en rendent jamais. Ils font du bruit quand ils mangent et quand ils passent la tondeuse le dimanche. Et comme si ça suffisait pas, ils sont de droite. Selon un sondage du 1er avril, les Français de 70 ans et plus voteront à 40% pour Macron, 21% pour Pécresse et 12% pour Zemmour. Putain, mais les seniors, vous êtes vraiment des bâtards! Mais vous avez tout eu! Le plein emploi, la sécurité sociale, le SMIC, le fonctionnariat, la retraite à 60 ans, les 35 heures, l'assurance chômage, le cul sans le sida, le vin rouge à la cantoche. Et maintenant, vous votez pour des candidats qui veulent détruire les acquis sociaux? Allez bien niquer votre grosse daronne, là, la dentelière, qui est morte, il y a 50 ans! Eh, les gens qui sont à la retraite depuis 10 ans, et qui sont pour l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, je vous souhaite tellement de glisser sur les marches de la mairie dimanche en allant voter, pour que votre col du fémur soit comme le code du travail après deux mandats de Macron. Bien fracassé! Vous voulez que les Français bossent jusqu'à 67 ans? Eh ben montrez l'exemple! Et allez faire les 5 ans que vous nous devez! Je vais déménager dans un appart au 7ème sans ascenseur. Et je vais commander des Uber Eats matin, midi, soir et même au goûter. Juste pour vous voir ramper dans l'escalier avec vos hanches en plastique qui grincent. Et quand vous arriverez à ma porte, je dirai « J'ai commandé des potatoes, pas des frites. À tout à l'heure. » Alors les baby boomers, vous voulez moins de dépenses publiques pour rembourser la dette? Mais elle est à cause de vous la dette! Bande de gros fils d'Allemands! Si ça vous dérange tant que ça l'État-providence, rendez vos prothèses auditives remboursées par la sécu, vos lunettes à verre progressif de sudoku gratos et enlevez vos dentiers pris en charge à 100% pour bien sucer Macron sans lui irriter le gland. Vous votez pour des candidats qui veulent armer la police municipale et criminaliser la consommation de stupéfiants alors que vous avez passé votre jeunesse à acheter des pavés sur les flics en fumant des grosses plifs. Vous avez tout eu, vous voulez rien laisser. Un troupeau de petits con-bendites en train de se chier dessus dans leur couche confiance. Mais putain, mais l'indécence des vieux! Les Sénégalais sont venus mourir au front pendant que vous chantiez maréchal nous voilà. Les Algériens ont construit les routes sur lesquelles vous roulez à 2 km heure sans mettre votre clignotant, et maintenant vous filez 12% à Zemmour. Attention, montez le volume de vos sonates Nodica. Gros con de vieux! À cause de vous, tout est pollué. Vous avez inventé l'élevage intensif, bouffé du foie gras en fumant des cigares dans des avions entre Paris et Orléans, fait fondre la banquise avec des croisières Star 80. Vous avez salopé la planète comme si c'était une feuille de Moltenel, et malgré ça, nous, on est super gentils avec vous. Pendant 2 ans de pandémie, on est resté chez nous. On a vu personne. On est allé acheter des chips avec des masques FFP2 pour protéger votre vieux cul tout fripé. Et vous allez revoter pour un mec qui a supprimé 17 000 lits d'hôpital? Regardez-moi bien les vieux. À la prochaine pandémie, je serai en bas de votre maison de retraite. Allez chez les poignées de porte. Allez, à vendredi, si vous tenez jusque-là.